Le résultat de l'élection n'est pas celui que nous espérions, celui pour lequel nous nous étions battus, ni celui pour lequel nous avons voté. Je sais que vous ressentez toute une série d'émotions, je le comprends. Hein. Je sais ce que c'est. Mais il nous faut reconnaître les résultats de l'élection. Un des principes fondamentaux de la démocratie américaine, c'est précisément que lorsque l'on perd une élection, on en accepte les résultats. Les amis, l'ambiance est actuellement très électrique aux États-Unis. Comme vous l'avez sûrement appris, Kamala Harris s'est fait écraser par Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche. Trump a raflé une majorité écrasante des voix des grands électeurs avec 295 pour lui contre seulement 226 pour Harris au moment où j'enregistre cette vidéo. Et une particularité de cette élection comparée à la première fois où Trump a été élu président, c'est qu'il a cette fois remporté également le vote populaire témoignant de sa montée en puissance et de l'élargissement de son soutien. Donald Trump réalise ainsi le plus grand comeback de l'histoire politique américaine pour un président des États-Unis. Vous et moi le savons bien, la politique américaine a une influence majeure sur la scène mondiale. Et donc, depuis l'accession de Donald Trump au pouvoir, tous les regards sont maintenant tournés vers lui pour voir comment il va gérer les conflits internationaux, en particulier au Moyen-Orient, avec les tensions entre Israël et ses voisins, la Palestine et le Liban. Et aussi en Ukraine, où Zelensky doit être particulièrement préoccupé, car Trump avait en effet promis de mettre fin à la guerre en 24 heures s'il était réélu. En résumé, le monde entier attend de voir si l'arrivée de Trump au pouvoir conduira à une période de paix ou à une escalade des tensions dans le monde. En attendant, je vous laisse écouter son discours prononcé juste après l'annonce de sa victoire. Je voudrais vous remercier infiniment. Nous avons des milliers d'amis qui sont présents. C'est un mouvement extraordinaire, un mouvement qu'on n'a jamais vu, un mouvement inouï. Franchement, je crois que c'était probablement le plus grand mouvement politique de tous les temps. Il n'y a jamais eu rien de semblable. Et nous allons atteindre un crescendo parce que nous allons aider notre pays. Nous avons un pays qui a besoin d'être aidé, qui en a vraiment besoin. Il faut résoudre les problèmes des frontières et les autres problèmes qu'affronte notre pays. On a fait l'histoire ce soir. On a fait des choses que personne ne pouvait penser être possibles. On a effectué des réalisations extraordinaires politiques. Par exemple, regardez ce qui s'est passé. C'est extraordinaire, non? C'est une victoire politique qu'on n'a jamais vue dans notre pays. Donc, je voudrais remercier les Américains de leur enthousiasme extraordinaire. Je serai le 47e président et je vous en remercie. Et je me battrai pour vous, pour vos familles, pour votre avenir. Chaque jour, je me battrai pour vous. Avec ma dernier souffle, je ne prendrai pas de repos avant d'avoir réalisé ce rêve pour vous et pour vos enfants. Vous l'avez bien mérité. Nous entrons dans une époque dorée pour les États-Unis. Un âge d'or. C'est une victoire extraordinaire pour les Américains. Et ça nous permettra de redonner sa grandeur à l'Amérique. Et dans l'un des États clés, la Caroline du Nord, nous l'avons remporté, la Géorgie, la Pennsylvanie, le Wisconsin, nous les avons remportés. Nous attendons encore les résultats du Michigan, de l'Arizona, du Nevada, de l'Alaska. Et nous aurons au moins 315 grands électeurs grâce à cela. Mais c'est plus facile de faire ce que les réseaux faisaient parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'autre choix pour la victoire. Par ailleurs, nous avons gagné le vote populaire, nous l'avons remporté. Merci. USA,
Merci beaucoup. Nous avons remporté le vote populaire. Ça s'est vraiment bien passé. Nous avons beaucoup d'amour. Dans cette pièce aussi, d'ailleurs. Tous ces gens qui m'ont soutenu, des gens extraordinaires. Ils ont accompli ce voyage avec moi, ils m'ont accompagné. Et franchement, je suis très fier de votre vote. J'espère qu'un jour, vous regarderez, vous vous pencherez sur ce moment extraordinaire de notre vie, vous direz, j'ai voté pour ce groupe. Au-delà du président, j'ai voté pour ce groupe de gens extraordinaires. Les États-Unis nous ont donné un mandat sans précédent, un mandat très puissant. Nous avons repris le contrôle du Sénat. Et ces votes au Montana, au Nevada, au Texas, en Ohio, au Michigan, au Wisconsin, le grand Commonwealth de la Pennsylvanie, on les a tous gagnés. C'est le mouvement MAGA qui les a emportés. Et nous avons travaillé avec les sénateurs. Le nombre de victoires au Sénat était absolument incroyable. On a fait des télérallies avec chacun d'entre eux. Parfois, on a fait deux ou trois. Ça aussi, c'est extraordinaire de voir toutes ces victoires. Personne ne s'attendait à ça. Donc, je voudrais simplement vous remercier pour tout cela. Vous avez des grands sénateurs, vous avez des nouveaux. Et puis aussi, apparemment, il semblerait qu'on va pouvoir garder le contrôle de la Chambre des représentants. Et je voudrais remercier Mike Johnson. Il a fait un travail extraordinaire, extraordinaire. Je voudrais aussi remercier ma très belle femme, Mélanie, qui m'a accompagné. C'est elle qui est au numéro un des best-sellers grâce au livre qu'elle a publié. Non, elle a fait un travail extraordinaire. Elle a beaucoup travaillé pour aider les gens. Donc, je voulais la remercier. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de ma famille, mes enfants extraordinaires. Ils sont extraordinaires. D'ailleurs, on pense tous que nos enfants sont extraordinaires. Chacun le dit. C'est une bonne chose quand on y pense. Don, Eric, Ivan, Baron, Laura, Jerry, Kimberly, Michael, merci à tous. Quelle grande famille, quelle grande équipe. Mon père, mon Victor Tremendes, mon beau-père, la mère d'Amalia, il nous manque. Il serait très heureux maintenant d'être avec nous. Il serait tellement fier. C'était une femme extraordinaire, tant de l'extérieur que de l'intérieur. C'était une grande femme. Je voudrais être le premier à féliciter notre grand vice-président élu, J.D. Vance. Et son épouse, Ruth Evans, remarquable et merveilleuse. C'est quelqu'un de nerveux, quelqu'un de combatif. Je lui ai dit, va dans le camp ennemi. Et vous savez que les camps ennemis, c'est certaines chaînes. Il y a des gens qui auraient dit, est-ce que je dois vraiment y aller? Il m'a dit, d'accord. Il a été voir CNN, CBC. C'est vraiment le seul qui se réjouisse à l'avance de cela, et puis il fait ce qu'il a promis de faire. Viens là. Viens là. Viens nous dire quelques mots. Wow.
Monsieur le Président, merci de m'avoir permis de vous accompagner. Merci de m'avoir fait confiance. Nous avons été les témoins du plus grand comeback de toute l'histoire des États-Unis. Avec le leadership du président Trump, nous allons continuer à nous battre pour vos rêves, pour l'avenir de vos enfants. Et après le plus grand comeback politique de l'histoire, nous allons effectuer le plus grand comeback, le plus grand ralliement économique grâce au leadership de notre président. Merci beaucoup. En fait, c'était un bon choix. Au début, on m'a critiqué, mais je savais que c'était une bonne marque, la meilleure. Nous sommes une famille, nous aurons un mandat de 4 ans, nous allons faire revenir notre pays, on va faire quelque chose de très spécial. That little thing called special, we have to make it so. We're going to make this so great. Il faudra que ce soit quelque chose de spécial, parce que c'est le plus grand pays, probablement le plus grand pays du monde et de loin. Et donc, il faut retrouver ses lauriers. On peut retrouver son excellence. Je ne sais pas si on devait attendre plus longtemps. En tout cas, le déclin était rapide. Regardez les frontières. Tous ces gens qui nous envahissaient. Nous voulons que les gens reviennent. Mais il faut qu'ils viennent par les voies légales. Je voudrais aussi remercier Suzy et Chris, le boulot que vous avez effectué extraordinaire. Allez, Suzy, Chris, venez là. Venez là, venez là. Elle est toujours dans l'ombre, Suzy. On a un surnom pour elle, mais elle est toujours dans l'ombre. Allez, Chris. Elle aime toujours être dans l'ombre. Ça n'était pas attendu, mais je voudrais remercier tous nos amis. Notre président, c'est un grand candidat, et ce sera le meilleur 47e président. Et puis toute l'équipe aussi, c'est la meilleure équipe. Même Suzy Wiles, mon chef, c'était le meilleur chef. Merci. Merci à tous. J'ai jamais vu aussi ému. Ils sont extraordinaires. Toute notre équipe est excellente et chacun est particulier. Qu'est-ce que vous dites? Ah oui. Nous avons une nouvelle étoile. Une nouvelle étoile, Ilan. C'est quelqu'un d'extraordinaire. On se parlait ce soir. Il a passé des semaines à Philadelphie, différentes parties de Pennsylvanie, à faire campagne. Et il y a 2 semaines, on a vu une roquette qui retombait, qui allait très vite et qui se consommait. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui est arrivé à la peinture. Il m'a dit on n'a jamais eu de peinture qui puisse supporter ça. En tout cas, c'est comme, vous savez, ça a la hauteur de 22 étages. Et donc, c'est redescendu. On voyait se consumer. Et je me suis dit, c'est seulement Ilan qui peut faire ça. Et j'ai parlé avec quelqu'un hier. Et cet homme qui a passé cet appel, il est ici. Peut-être l'une des personnes les plus importantes. J'y étais d'ailleurs. J'ai déjà été président et apparemment j'allais redevenir président. Donc je lui ai dit de garder ça. J'ai dit garder la pause. J'ai fait la photo et je vois cette espèce de truc qui est en train de retomber et ça allait
s'écraser quelque part. Et je me suis dit non. Et je lui ai demandé, tu peux me tenir ça? Et je me suis dit, c'était un mouvement spatial ou je sais pas quoi. Et donc, j'ai déposé le téléphone et je ne suis pas revenu avant 45 minutes et il était toujours là. Et j'ai vu ses moteurs et on a eu l'impression que ça allait s'écraser et puis le feu est sorti du côté gauche et puis ça s'est redressé. Et ça s'est retombé au bon endroit, un petit peu comme on garde un enfant le soir. C'était magnifique. Et j'ai été voir Elan et je lui ai dit, c'était vous? C'est toi? Oui, c'était moi, m'a-t-il dit. Et qui d'autre peut faire ça? Est-ce que la Chine peut le faire? Est-ce que les autres pays peuvent le faire? Non. Est-ce que les États-Unis? Quelqu'un d'autre que vous? Non, personne d'autre. Et je lui ai dit, c'est pour ça que je t'aime, Elan. Quand il y a eu cet ouragan tragique, Hélène, surtout en Caroline du Nord, ça a été effrayant, la dévastation, des dégâts épouvantables. Bref, et le danger était partout. Les gens de Caroline du Nord sont venus voir et m'ont dit, est-ce que ça serait possible de parler à Elon Musk? On a besoin de Starlink. C'est quoi Starlink? C'est une forme de communication. Donc j'ai appelé Elon, et c'était très dangereux d'ailleurs. Les gens n'avaient pas de communication, tout était en panne. Et Elon Musk, je l'ai appelé, et je lui ai dit, t'as un truc qui s'appelle Starlink? Et il m'a dit oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un système de communication qui est excellent. Je lui ai dit, Elon, ils en ont vraiment besoin en Caroline du Nord. Tu peux l'amener? Il l'a amené si rapidement, c'était incroyable. Et ça a bien marché, ça a sauvé beaucoup de vies. Mais Elon, c'est un génie. Il faut protéger nos génies, parce qu'on n'en a pas tellement. Il faut protéger nos super génies. Je voudrais le remercier. Vous savez qu'il y a aussi le champion de l'Open qui est dans l'arène depuis plus longtemps que moi, Myson DeChambeau. Est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Où est-il? Tyson. He's hitting balls. Oh, he's on the way. Ah, il arrive. He's hitting balls. Il arrive. Tyson. Oh, look at him. Ah, le voilà. He had a great. He's got a great career going. Great US Open, Bryson. That's il s'est bien débrouillé lors de l'Open. Et puis on a aussi Amanda White qui a fait des choses extraordinaires et qui est là avec nous. Cela fait partie de notre élite. Donc, Dina. And vous l'avez vu. Do you mind if I use your? Nobody wanted to give him marines because they said it's a rough sport, a little rough. Personne voulait lui donner ce qu'il voulait. I helped him out a little bit, and donc j'ai aidé un peu. And I said, this is the roughest sport I've ever seen. Et il m'a dit, c'est l'expérience la plus dure que j'ai eue, mais il a commencé à aimer ça. Personne n'a fait un meilleur travail que lui. Dans le sport, vous savez que c'est quelqu'un qui motive les gens. Il prend ses pugilistes et puis il les transforme en champion. Donc j'aimerais qu'il dise quelques mots parce que beaucoup de gens aiment l'entendre. Personne n'a plus droit à ces éloges que lui et sa famille. C'est ce qui se passe lorsque vous voyez une machine qui vous court après. Ce qu'on a vu ces dernières années, c'est ce qui se passe. La police l'arrête, il continue. Il n'arrête jamais, il n'abandonne jamais. C'est la personne la plus résiliente que j'ai connue. Donc il a vraiment mérité sa victoire, tout comme sa famille. Je voudrais remercier les gens qui nous ont aidés, Phil Vaughn, Ed Arros, et last but not least, Joe Rogan, si puissant. Merci l'Amérique, merci et bonne nuit. That
Ça, c'est quelque chose. Extraordinaire. C'est un bonhomme extraordinaire. Mais surtout, je voudrais remercier les millions d'Américains qui ont travaillé pour nous dans l'ensemble du pays, qui ont toujours été au centre de cet effort. Nous avons connu tant d'expériences. Vous êtes venus ici pour parvenir à cette victoire. C'était quelque chose de très spécial. On va vous redonner la monnaie de votre pièce. On va faire un excellent travail. Il faut réussir cette expérience de différentes manières, rapidement. Je voudrais qu'on se souvienne de cette journée comme la journée où les Américains ont repris le contrôle de leur propre pays. Donc, je voudrais dire, au nom de ce groupe de gens extraordinaires qui travaillent dur, qui sont extraordinaires, je peux ajouter quelques noms, Robert F. Kennedy Jr. Il va nous aider à rendre la santé à l'Amérique. C'est quelqu'un de sensationnel. Il veut prendre des initiatives, on va l'aider. J'ai dit, Bobby, le pétrole, tu me laisses ça. On a des hydrocarbures, on en a plus que tout autre pays, plus que l'Arabie Saoudite, plus que la Russie. Bobby, ne touche pas aux hydrocarbures. Par contre, tu peux faire ce que tu veux ailleurs. Donc, on va réduire la dette, les impôts. On peut faire des choses que personne d'autre ne peut faire. La Chine n'a pas nos atouts. Personne n'a nos atouts, d'ailleurs. On a la fibre humaine, la meilleure. Les meilleures personnes. Et cette campagne a montré de différentes manières qu'on a la coalition la plus large et la plus unie. Je n'ai jamais vu rien de semblable dans toute l'histoire des États-Unis. Tous ces hommes, ces femmes, ruraux, urbains, qui nous ont aidés. Je regardais ça et il y a une excellente analyse des gens qui ont voté pour nous. On n'a jamais vu des gens comme ça. Ils viennent de tous les coins, des syndicalistes, des non-syndicalistes, des avocats, des latinos, des haïtiens, des Américains musulmans, tout le monde était dans notre coalition, c'était un réalignement historique et des Américains de tous les horizons sont venus, se sont réunis sur un objectif de sens commun. Nous sommes un parti du sens commun. On veut la sécurité aux frontières, on veut la sécurité en général, on veut un bon système d'enseignement, on veut une bonne armée. Dans l'idéal, on n'aura pas besoin de s'en servir. Pendant 4 ans, nous n'avons pas eu de guerre. On a vaincu l'ISIS en très peu de temps, mais on n'a pas eu de guerre. Et je m'étais dit, il ne faudra pas commencer de guerre. Mais c'est aussi une grande victoire pour la démocratie et la liberté. Ensemble, nous allons valoriser les ressources de l'Amérique, dégager l'avenir. Hier, je me disais, je ne ferai pas d'autres rallyes. Je crois qu'on a fait 900 rallyes. Imaginez ça un petit peu, 900 rallyes au cours de cette campagne. 901 ou quelque chose comme ça. En tout cas, beaucoup de rallyes. Et tout le monde disait, c'est notre dernier rallye. Mais là, on passe à quelque chose qui est beaucoup plus important, parce que les rallyes, c'était pour nous mettre dans cette position. Mais en fait, on peut aider notre pays désormais pour l'améliorer mieux qu'auparavant. Beaucoup de gens m'ont dit, Dieu m'a épargné pour une bonne raison. Et c'était pour sauver notre pays et pour lui faire retrouver sa place. Et nous allons remplir cette mission ensemble.
Nous avons un chantier qui ne sera pas facile, mais j'emploierai tout mon esprit, mon énergie, ma capacité de lutter à effectuer cette mission que vous m'avez confiée. C'est une grande mission. Il n'y en a pas de plus importante au monde. Comme lors de mon premier mandat, qui était extraordinaire, j'avais un simple modèle. On fait des promesses, on les garde, on les réalise. Personne ne m'empêchera de garder mes promesses, réaliser mes promesses. Un pays prospère, libre, et je vous demande de vous associer à moi dans la réalisation de cet objectif noble. Il est temps d'écarter les divisions de ces quatre dernières années. Il est temps de nous unir. Nous allons essayer, nous devons essayer, et nous réussirons. Je l'ai déjà vu. Lorsque nous avons réussi de plus en plus, les gens ont commencé à s'intégrer pour être unis. Nous allons prioriser les États-Unis, en tout cas pour un certain temps. Il faut résoudre ces problèmes parce qu'il est possible de ramener la grandeur à l'Amérique et aux Américains. Donc, je voudrais dire que c'est un grand honneur. Je vous remercie encore une fois. Je ne faillirai pas à ma mission. L'Amérique sera plus forte et plus sûre qu'elle n'a jamais été auparavant. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. Voilà donc les premières paroles de Donald Trump suite à sa victoire historique. Ce discours donne le ton pour les années à venir et pose les bases de ce qui pourrait être l'avenir des États-Unis et du monde. Dites-moi ce que vous en avez pensé et donnez-moi vos avis en commentaire. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.